Je m'appelle Valérie Langlois et j'ai 56 ans. Il y a plus de 25 ans, je suis entrée à la caisse d'épargne un peu par hasard et j'y suis restée finalement par conviction. Conviction à plusieurs titres. Le modèle coopératif, en rappelant que les caisses d'épargne sont les acteurs historiques et majeurs du développement économique de nos territoires, mais aussi la réconciliation entre les intérêts financiers et une approche du métier de banquier à la fois plus éthique, plus humaine et surtout plus responsable. Autre motif, le sens du collectif et des échanges, parce qu'à plusieurs, on est plus fort. Enfin, le goût de l'innovation technologique pour une économie durable, ou encore l'intérêt de la CERA pour les entreprises innovantes, comme peut l'être Rapidae. Et enfin, la grande aptitude de la CERA à se réinventer face aux besoins de ses sociétaires. Ces valeurs, la SCI Rapidae les partage et les développe dans le domaine touristique. C'est ce qui me conduit à motiver ma candidature au poste de censeur. Un conseil d'administration, c'est pour moi une expérience collective, dont la force se reconnaît surtout à la diversité des profils qui le constituent. Moi, je suis juriste de formation et je suis directeur juridique et pénal de la CERA. Certes, mes compétences ne sont pas celles du tourisme. En revanche, je suis sûre de pouvoir vous apporter une appréciation juste et mesurée de toutes les questions que vous poserez au conseil d'administration, qu'il s'agisse de stratégie ou d'encadrement juridique de la data. Je m'y engage parce que le développement du tourisme à travers la mutualisation des ressources techniques et numériques, c'est ça qui signera l'avenir de nos régions. Et j'ai vraiment envie de vivre tout ça avec vous. Alors voilà, c'est comme ça que je peux me présenter le mieux. Et en espérant que vous retiendrez ma candidature, bien sûr.